Ahmed. Donc aujourd'hui, le 30 mai 2023, nous avons l'honneur et le grand plaisir de partager avec les étudiants un événement de très grande importance, initié par le policier Hunter Thorne-Mussault, la Banque mondiale, le CNUD, que je remercie les représentants et les représentantes, d'accord. Et aussi, nous avons un panel d'experts de la région Source. Donc, avant de leur donner la parole, je tiens, dans ce deuxième panel, dans l'intitulé et les emplois verts comme réponse aux enjeux de développement durable, cas de la région Source-Nassa. Donc, avant de leur donner la parole, je tiens à présenter le format un peu spécial pour nous, académiciens. Donc, je vais leur donner un budget temps de 5 minutes, n'est-ce pas, à ne pas dépasser. Et le temps restant, c'est à nos chers étudiants, qui vont essayer de réagir à leur manière. En anglais, en français, en arabe, en amazigh, donc l'arabia, le farancia. L'arancia, ça veut dire, vous pouvez dire des mots en français ou bien en anglais. Donc, c'est un débat. Aujourd'hui, notre faculté, c'est la rencontre en trois éléments, en trois piliers. Les gens du savoir, les gens du savoir-faire, et savoir-être. Et l'intitulé de cet événement, comme je viens de lire, c'est les emplois verts comme réponse aux enjeux de développement durable. Même si je réagis par rapport à la réflexion de Madame la directrice du cours C, est-ce que c'est le développement durable qui va générer les emplois verts, ou bien c'est les emplois verts qui vont essayer de, on va dire, s'adapter aux enjeux de développement. Donc, la région Source-Nassa, c'est l'un des principaux moteurs de développement économique du royaume. Il occupe une place de leader au niveau de trois secteurs. Le secteur de la pêche, avec 42%, le secteur de l'agriculture, avec 31%, le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Or, ces secteurs sont confrontés à des défis tels que la rareté de l'eau, la dégradation des terres et les pressions environnementales. Donc, la question se pose d'une manière très importante, parce que lorsqu'on parle de développement durable, c'est l'intersection entre trois choses: le pilier économique, donc il faut faire des activités économiques, il faut créer de la valeur, il faut faire des profits, mais aussi il y a le pilier progrès social, donc un emploi vert décent, d'accord, et aussi il faut respecter l'environnement. Donc il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit dans on va dire, la transition d'une économie où le système capitaliste a présenté beaucoup de limites vers un nouveau modèle de développement où on va prendre en considération ces trois éléments. Les énergies renouvelables, le Maroc a beaucoup de chantiers dans ce domaine-là. L'agriculture durable, le plan l'agriculture verte et le tourisme écologique. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui les experts qui vont débattre avec vous, chers étudiants. J'ai à ma gauche Dr. Khadija Salih, directrice régionale de l'environnement au sein du ministère de la Transition énergétique et du développement durable. Oustada Sami est titulaire d'un doctorat en éco-physiologie. Il a 15 ans, plus de 15 ans
d'expérience au niveau national. Vous êtes chuchoté, parce qu'ils maîtrisent beaucoup d'actes. On va leur lui laisser la parole pour nous dire, parce qu'il y a beaucoup d'axes, la gestion durable des ressources, des déchets liquides, des déchets solides, la gestion durable des terres, etc. Donc, on aura l'occasion d'en parler. J'ai à ma droite ici Amor, que j'ai eu le plaisir d'écouter. C'est Amor qui est vice-président de la Chambre de l'agriculture. Donc, il a une solide formation académique, en plus d'une thèse de doctorat aussi sur tout ce qui est thermophysique des fluides. Il a passé plusieurs années dans le public et aussi dans le privé. Donc, j'aurai des questions à lui poser dans ce sens. Cizeid Jacou, président de la commission économique, de la commission économie verte à la CGR. Donc, on a l'État marocain et on a aussi les représentants du privé. Donc, c'est un cadre supérieur de l'Office national de l'électricité. Elle est actuellement consultant en management, en développement durable, audit efficacité et plus spécialement en économie, en tourisme durable. D'accord ? Elle est aussi secrétaire générale du réseau développement de tourisme durable. Et c'est Hassan Rahimi, mon ami et cher collègue, il est professeur habilité à diriger une recherche ici à la faculté. Et il est aussi responsable d'un master très côté ici à notre faculté, qui est le master analyse et politique économique. Donc, sans tarder, je donne la parole. On va être à l'entrée, d'accord ? Et on va passer la parole à notre cher ami qui vient ici partager avec nous son expertise. Avant de lui donner la parole, cher étudiant, il faut faire très attention. Lorsqu'on parle de compétences, c'est aussi trois piliers. Il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. J'ai eu une petite expérience lorsque j'étais étudiant à l'IAV, l'Institut agronomique de Rabat. Et dès le départ, on a commencé par un stage. La première année, on a commencé par un stage de 3 mois et demi. Paul Pascal Lermont qui était directeur pédagogique. Et donc, pourquoi il a pris l'initiative, c'est-à-dire avant de connaître le savoir, il faut passer par le terrain. Et donc, surtout, je donne la parole à notre cher docteur Ousseda Khadija Sali. Merci beaucoup, professeur Khalifan. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Donc, je remercie nos amis, les organismes internationaux, le PNUD, le CAC, la Banque mondiale. Je les remercie infiniment parce que sans leur appui, la direction régionale ne fera pas beaucoup d'actions comme il se doit. Je remercie aussi les invités. Et je remercie notre cher étudiant. Et bien sûr, on compte sur vous pour un débat qui est très riche. De toute façon, j'étais présentée comme expérience et 15 années de savoir et de terrain, comme il a dit le professeur. Donc, il a raison. Si vous voulez faire des stages, il faut les faire dans le terrain. C'est-à-dire qu'il faut faire une action sur le terrain pour savoir le développement durable, de quoi on parle. Alors, je commencerai mon intervention par un peu, parce que c'est avec un grand plaisir que j'ai suivi la discussion de ce matin. C'était vraiment, vraiment riche. Et je vous remercie de ces pertinentes questions. Je commencerai par le cadre juridique, c'est-à-dire pour déjà cadrer un petit peu le volet de l'environnement et le développement durable. Donc, le cadre juridique environnemental, la première version des trois lois qui ont été très, très importantes, c'est en 2003, vers 2003. C'était la loi 11.03, 12.03, 13.03 sur la protection de l'environnement, sur les études d'impact sur l'environnement et aussi sur la qualité de l'air.
Ça, c'est très important. C'était un petit peu la base de cadrer un petit peu l'action environnementale. Ensuite, grâce aux instructions de Sa Majesté le Roi, une charte de l'environnement et développement durable a été, il nous a incité à réaliser une charte de l'environnement et de développement durable. Donc, ça, c'était en 2010, c'était un moment où la quantité en 2010, on a fait des consultations, et on a tiré les recommandations des différents acteurs concernés de toutes les régions. Au Kharjat, dictat la loi cadre 99-12 portant charte sur l'environnement et de développement durable. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que de cette charte, hein, on est encore sorti, soit on a révisé les lois, soit on a sorti d'autres lois. Ce qui fait, cette charte, c'est la base juridique de l'environnement. Autre chose que je veux parler, c'est les ODD. Les ODD, c'est les objectifs de développement durable. Je me permets juste d'introduire ces ODD parce que nous avons avec nous un monsieur qui est extraordinaire et qui a un savoir extraordinaire, c'est le directeur de l'HPP. Parce que les ODD, ils sont gérés par le commissariat du plan. Les ODD, je m'adresse à vous, les étudiants. Parce que si vous ne connaissez pas les ODD, si vous ne connaissez pas les 169 cibles, corrigez-moi si je me trompe, et aussi ces 243 indicateurs, je pense, ou bien plus. Donc, si vous ne connaissez pas ces ODD, c'est le temps de les connaître par cœur. C'est le temps de les lire, de les relire, de se former. Il faut faire des formations sur les ODD. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la planète aime la radiation des ODD. Donc, je vous assure, jusqu'à maintenant, moi-même, j'ai suivi beaucoup de formations sur ces objectifs de développement durable. Donc, les 17 ODD, avec leurs cibles, avec les indicateurs, il faut les connaître par cœur. Parce que tant que nous nous formons, tant que je réalise que le central à Rabat il va à une vitesse et le régional va à une autre vitesse. Hein? On a l'impression que ces ODD ne sont pas suivis, ils sont pas... mais non, le Maroc, il suit les ODD, les objectifs de développement durable planétaire des Nations Unies. Il atteint bien sûr les cibles, il atteint bien sûr les indicateurs. De toute façon, ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et vraiment une recommandation. Il faut vraiment savoir ces ODD par cœur. Parce que si vous suivez tous les discours actuellement, même des grands entrepreneuriats, les grands ministres, les chefs d'État, tout le monde parle de le programme et il y a les ODD dans leur programme. J'ai dit les lois cadres, les ODD, bien sûr. Dans la loi cadre 99-12, c'était une incitation sur la réalisation de la stratégie nationale de développement durable. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la strat des stratégies, beaucoup de stratégies, beaucoup de stratégies, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. S'il n'y a pas de stratégie, il n'y aura pas de programme et il n'y aura pas de réalisation. Et s'il n'y a pas de programme, il n'y aura pas d'emploi vert. Donc, les stratégies, elles sont très, très importantes. La SNDD, ça a été promulguée en 2017 par un conseil ministériel. Et après, on l'a révisée en 2021. Et après, en 2023, je ne sais pas, est-ce que vous étiez avec nous dans la révision de cette SNDD? Pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous avons parlé du nouveau modèle de développement, est-ce qu'il est suivi, est-ce qu'il n'est pas suivi, est-ce qu'il est mis en œuvre, est-ce qu'il n'est pas mis en œuvre, ça, beaucoup de questions.
sont posées sur ce plan. Mais oui, bien sûr, parce que la SNDD, nous avons réalisé en mars les assises régionaux, régionaux sur la révision de la SNDD. Pourquoi? Pour y mettre les nouveaux modèles de développement et aussi les ODD. Pour intégrer les ODD et pour intégrer le nouveau modèle de développement. Parce que la plupart des ministres et des ministères actuellement, ils les intègrent dans leur programme. Donc je pars sur notre ministère de la Transition énergétique et le développement durable. Donc déjà, on a commencé à intégrer le nouveau modèle de développement dans notre stratégie nationale de développement durable. Je switch vers la région. Encore, bien sûr, nous avons une stratégie régionale. Je parlerai de notre stratégie régionale sur les changements climatiques, l'enjeu 13, bien sûr, des ODD. Ici, nous avons une stratégie, nous avons conçu une stratégie, nous avons réalisé notre plan territorial sur le réchauffement climatique. C'était le premier au Maroc. Donc on l'a appelé maintenant PTRT1, plan territorial sur le réchauffement climatique, avec une concertation très 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 étroite avec tous les acteurs. Et je pense que l'université, c'est la première avec laquelle on s'est bien concerté avec les jeunes parce que il y a dedans beaucoup de projets qui ont été sortis dans ce plan territorial sur le réchauffement climatique. Actuellement, on doit le réviser lui aussi, pour y intégrer bien sûr le nouveau modèle de développement et les ODD, bien sûr. Et aussi pour, bien sûr, rectifier les défaillances sur le plan territorial. Hein, parce que, pourquoi? Parce qu'on a sorti beaucoup de projets. Et jusqu'à on a réalisé 63% dans le volet adaptation, réalisé 23% au niveau de l'atténuation. C'est très très maigre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas présenté des projets bancables, c'est-à-dire là, ça aussi, c'est Elmar, on a présenté des projets bancables et, pardon, et réaliser, bien sûr, c'est la mise en œuvre de ces projets. On m'a dit qu'il me reste une minute. Donc, juste vous parler d'une action pour les jeunes qui seront intéressés. De ce plan territorial, on a fait sortir un projet qui est très, très important et on a réalisé une note conceptuelle pour Agadir Ville Durable. Donc, comme vous savez, bien sûr, Agadir Ville Durable, il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées. Il y a un BHNS, je ne sais pas si vous connaissez ou non, un BHNS est un bus à haut niveau de sécurité, c'est-à-dire qui est très, très important pour la réduction de l'empreinte carbone. C'est très important pour le social et pour l'environnemental et tout ce que vous voulez. Donc ça, nous avons réalisé cette note conceptuelle et par le PNUD que je remercie bien sûr. Et ça a abouti et on a eu un bon financement sur la mobilité durable. Mobilité à Agadir durable. Et ça, on va travailler avec bien sûr le campus parce que c'était une action que l'université nous avons monté ça ensemble avec un campus connecté durablement. Donc, avec tout ce qui est bicyclette électrique, avec tout ce qui est, par exemple, les vélos électriques, les trottinettes électriques, les bus électriques, parce qu'il y a des étudiants qui habitent Hamza ou Laoula Taïma, ils viennent à l'université, ils trouvent beaucoup de problèmes. Donc, ces actions, on va les réaliser, Inch'Allah, dans ce projet que la GIZ a financé. Merci beaucoup et j'attends votre retour. Merci, docteur Khadija Sen. Donc, vous avez apporté beaucoup de choses. Vous êtes parti le général, le cadre juridique, et vous avez bien dit que c'était une stratégie
émergente qui a émané de territoire national, de citoyens, de tous les citoyens. Donc, ce n'était pas une stratégie qu'on a, on va dire, une stratégie obligatoire. Bon. Et vous avez aussi parlé des lois cadres, la stratégie nationale de développement durable de 2017, qui a été revue. Donc, ce n'est pas une stratégie qui est, on va dire, fixe, il a été revu par ce qui a été déjà fait au niveau du nouveau modèle de développement. Et puis, vous avez atterri sur le territoire d'Agadir, dans ma région Souss-Massa. Et il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la région. Agadir, ville durable. Agadir, avec un bus à haut niveau de sécurité qui respecte on va dire, l'axe. L'accent environnemental, décarbonation, et vous êtes aussi venu chez nous en notre campus pour nous dire qu'il y aura, Inch'Allah, des bicyclettes pour les jeunes qui vont, on va dire, respecter tout ce qui est environnement. Donc, on demande à nos jeunes d'être aussi responsables socialement et d'utiliser des machines qui ne font pas de pollution. Donc, je me tourne à droite. C'est Amour, notre cher ami, qui a bien voulu ici venir partager sa longue expérience avec nos chers étudiants. C'est Amour, à vous la parole. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin, ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Monsieur le Président, Madame la Directrice, honorables assistances, personnalités de marque, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs. En la personne de Madame Yasmine et Sidi Ahmed Issam, Policy Center, Madame Yasmine, les Yasmine du PNUD, et à travers eux, la Banque mondiale, et l'assistance également technique de Madame Chakil 4C, l'organisme 4C du Maroc, et la faculté des sciences juridiques et économiques Beit Mellul. Je suis très content. Je ne peux pas vous exprimer combien ma joie fut grande à voir ce public, ce jeune public. J'ai été averti par Madame Yasmine d'adopter un comportement souple, interactif et de développer surtout l'écoute. Eh bien, je suis là pour bien vous écouter. Peut-être je diffère de cette personnalité-là par le fait que je sois un homme du territoire. Je suis un élu, je suis un homme politique, je représente la population, les agriculteurs, et ma relation, elle est directe avec le territoire. Et je vais vous dire une chose, c'est à partir du territoire qu'émane le développement. Et nous, ce qu'on cherche, pas n'importe quel développement. Vous avez peut-être entendu de développement durable, tort et à travers développement, mais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi la durabilité? Le majal. Le majal, territoire. الجماعة الترابية، la commune territoriale، هي الوحدة الأساسية لمناشدة تنمية. شوف اش من تنمية بغيتي، إلا بغيتو ديك التنمية اللي كان كيسايرها المغرب وحتى وقف ونطح الحيط، تسميوها ايكونومي لينيير. يعني تبيز من لا ناتور وكتاخذ لي ريسورس ناتوريل ياكل لا وكتستغلهم بوتيت لا اوترونس بعد تو فابريك تو فون تو كونسوم اي تو جيت لينيير.
هذه وصلنا للحد ديالها. دابا اجتهدنا ودرنا ان نوفو اوتي مود دو ديفلوبمون. On commence à l'intégrer. Peut-être qu'on a bien intégré la CNDD. Elle a dit, il y a Madame la directrice qui représente les pouvoirs publics. Et il y a les pouvoirs publics. Elle est là. C'est le territoire, c'est la population. Nous sommes dans une région bien particulière. La région Sousse-Messa, il est vraiment exceptionnel. De par son positionnement, et surtout, il présente toutes les formes géologiques. Jamais à Tadaris. Le bahar, le littoral, le sahari, les bassins, les montagnes, les oasis, tout ce qui est. Tout ce qui est. Mais, cette région, nous l'avons bien. Pas les gens de l'Idara, ou les Ferbat, ou les... Nous l'avons bien. Pourquoi nous l'avons bien? On a élaboré un plan de développement économique et social de cette région depuis belle lurette, peut-être la première, quand on était les 16 régions déjà. Vous vous rappelez, madame? Oui. L'Ouline a du plan de développement économique et social. Qu'est-ce que tu as un diagnostic, une crise. وكيقلبك كتقول لي راه كيضرني هنا وكيقلب يقلب حتى السنان كتقول لي اش ما علاقه بين السنان وهنا المهم التشخيص خصو يتدار ويتدار بكيفيه علميه ان تعرف المجال تعرف لي فيلنيرابيليتي ديال المجال تعرف لي سونسيبيليتي ديال المجال وتعرف لي بوين فور لي بوين فيبل ديال المجال باش من بعد تملي دوز وتخرج اخر المطاف برنامج العمل ديالك او لا المخطط ديالك استراتيجي ديالك كيكونوا دوك المشاريع داك البورتفوي اللي خرجتي مشاريع في دي بروجي اللي كيكونوا ريزيليون او شانجمون كليماتيك وكيكونوا قابلين للتمويل باش تستافد من هاد التمويلات الخضراء اللي كينشدوهم اطور اترافير اغوشي ادروات يقول لا في الامم المتحده في الصناديق الخضراء يقول لا. وبالتالي انك كتكون وفيتي بالالتزامات ديالك التزامات اللي حط المغرب الامم المتحده حول المناخ. بون لا ريجيون ديالنا est une région, on a découvert que c'est une région qui est très, très impactée par les changements climatiques. C'est quoi les changements climatiques? Quand on parle des changements climatiques, quoi est la problématique des changements climatiques? La problématique des changements climatiques, elle est planétaire. Ishkalia, kaunia, diel kaun kullo, pour l'ardia. Mais les solutions sont locales. C'est l'importance diel majalat ou diel jama'at. Les solutions problématiques des changements climatiques, des règlements climatiques, ils sont locales. Donc, les communes territoriales, ashab al majalat, ashab al qarar al majalat, nakhsom idmjou had la dimension khatit dialhom وف المخططات التنمويه ديالهم وفي البرامج العمل ديالهم. راكم في واحد الفرصه. الجماعات كلهم كانوا على موعد باش يصوبوا هذا البرنامج لي باك ديالهم لي باك البرامج العمل. وراه القانون كيلزم على رئيس الجماعه باش كاين انت الانسان انت افي ديال واحد الجماعه باش تحضر وتشارك وتدير بالو ديالك ياك ولا حيت القانون لزمو باش يديروا بكيفيه ومقاربه تشاركيه. اليس كذلك استاذ؟ سمحوا لي اذا كندوز من العربيه للفرنسيه ولكن بغيتكم تسمعوني مزيان وبغيتكم اللي عنده شي سؤال واللي عنده شي اشكاليه ولا هذا ولا باغي دي زيليمون دو ريبونس حنا مستعدين
حسب القدرة اللي أعطانا الله والتجربة المتواضعة اللي دوزنا. أنا مهندس دو فورماسيون، جو سوي سنتراليان، جو سوي إيغالمون إنجينيور إنجيني أتوميك، ديبلومي دو سي أو دو ساكلي ديال باريس، وهذيك درتها في بيري ماري كيري. جي بريزيدي لي ديستيني دون كومين أتاكراوت، كاركتيريزي بار كومين كالعاب تريتوريال اللي هي رورال اي مونتاني. هاد لا استراتيجي دو مونتاني اون ا كونو او نيفو ديال الجهة، او نيفو ديال الجهة ديال سوس ماسة كي كونسيديري لا قالتها مدام سامي كوم ان لابوراتوار. اي غراس aux efforts conjugués des différents opérateurs et à la mutualisation de leurs efforts, on est arrivé quand même à prendre cette prééminence au niveau de la sauvegarde de l'environnement et du développement durable. Je préfère m'arrêter là. Donc c'est toujours très intéressant d'entendre les experts qui sont comme des hirondelles. Même si nécessairement beaucoup d'années en France, on parle de Paris ou d'autres, elle est revenue à sa terre natale, Tafraout, une petite commune. Donc, pour faire un récap de ce qui a été dit, normalement, on dit qu'il faut penser global et agir local. Penser global, c'est-à-dire qu'on peut importer. On peut importer des concepts de l'Occident, mais il ne faut pas oublier que le Maroc, le royaume du Maroc, a quand même des siècles et des siècles de pratiques de développement durable, que ce sont des pratiques orales, n'est-ce pas, et que l'université aura beaucoup d'avantages à essayer de puiser ce que se fait, comme a dit Samo, au niveau local. Il a aussi parlé du plan de développement économique. C'est vrai qu'au niveau des communes, les communes n'ont pas tous les mêmes profils, les mêmes compétences. Et donc, il y a certains responsables qui peut-être oublient de faire un diagnostic et de faire une stratégie concertée, démocratique, etc. Donc, sans tarder, je passe la parole à un autre expert. Que je lui donne la parole et qui va parler de ce qu'il maîtrise le mieux. Et je sais que c'est très difficile en 5 minutes de dire beaucoup de choses pour nos chers étudiants. À vous la parole, Cizé. Merci, monsieur le président, chère assistance. Donc, Zé Jacob, président, commission économie verte, CGM, SUSMESA. Je vais être un peu droit au but, cartésien. Et je vais aller dans le vif du sujet immédiatement. On va mesurer un peu l'apport de l'emploi vert sur les enjeux du développement économique local, donc sur ce massin. Dans le cadre général, vous savez, les changements climatiques, il y a la Convention cadre des Nations Unies, il y a l'accord de Paris, il y a les engagements de l'État sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'introduction des énergies renouvelables. Ce contexte a donné lieu à une stratégie nationale de développement durable qui a été mise à jour, actualisée cette dernière semaine, et même au cours d'actualisation aujourd'hui, si approuvé, Mme Khadija va confirmer. Et de là, le secteur privé que je représente ici doit normalement simuler une croissance économique continue parce qu'il doit répondre aux besoins de la consommation. Mais en respectant toutefois les droits sociaux et préserver les ressources naturelles. Là, c'est un défi, si ce n'est pas un blocage. C'est vraiment difficile de respecter la règle des trois roues, la RSE et l'économie. C'est là le défi. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris naissance la transition. La transition économique, sociale, juridique, habitude de consommation, parce qu'il fallait changer de piste, changer de rail. Donc, pour changer de rail, je n'ai que 5 minutes, je vais me focaliser sur l'énergie, puisque je le maîtrise davantage.
Pour la transition énergétique, on n'avait pas le choix parce qu'il y avait trois contraintes. Premièrement, la dépendance énergétique nationale, on est à 90%. Toutes nos énergies fossiles proviennent de l'extérieur à 90%. Il y avait un peu d'hydraulique et malheureusement, avec le déficit, ça a régressé. Plus la flambée des prix dernièrement, après le Covid, il y a une flambée des prix extraordinaire qu'on ne peut plus rattraper. Et les engagements de l'accord de Paris. Voilà donc trois obligations qui nous poussent à créer une solution. Là, on a pensé à la création d'autres nouvelles énergies, d'autres alternatives. Entre autres, le photovoltaïque, parce que les radiations solaires à Agadir sont voisinantes de 0,6 kWh mètre carré. Donc, c'est une zone ensoleillée par excellence et toute l'année. Ce sont des gisements très importants. Il y en a d'autres en biomasse éventée parce que la région, bon, générateur de Satanger, Sawira, Midelt, qu'on parlait tout à l'heure, et la zone sud, il y a des zones éventées. Pour le cas d'Agadir, on se limitera au photovoltaïque parce que c'est vraiment un indicateur très important. Donc, les métiers, aujourd'hui, on a la solution, on a l'idée. Et on passe aux solutions. Les pratiques qu'on pratique, le pompage solaire aujourd'hui, il est vraiment d'excellentes pratiques à la région de Jusmessin, au point où les ventes d'énergie de l'organisme de distribution nationale qui est l'ONU ont régressé de 10% à presque 3%. Il y a même des agriculteurs qui ont résilié leur contrat pour l'approvisionnement en énergie nationale. Donc c'était quand même un grand apport et un grand champ d'application pour le photovoltaïque. Il y a aussi l'autoproduction de photovoltaïque sur les toits. Donc on est aujourd'hui avec les injections qui vont jusqu'à... Ce matin, j'ai appris qu'une société PepsiCola ici à 2 MW à Casablanca, donc les gens sont vraiment sur le devant de la chose et on doit suivre et on doit être pionnier et prioritaire parce que la situation climatologique le permet davantage avec le taux d'irradiation. Il y a aussi donc le thermosolaire, c'est la production, les gens, les physiciens le connaissent, c'est la production de l'énergie thermique, les chauffe-eau solaires, donc production d'eau sanitaire pour les établissements. J'ai vu tout à l'heure sur le toit de la cité, il y a 62 chauffe-eau sur le toit, donc il y a quand même des applications, il y a le champ d'application et on est plein dedans, donc il faut toujours continuer. Et puis l'éclairage solaire a associé à la nouvelle technologie du LED que vous voyez aujourd'hui sur Agadir. Il faut aller voir la facture de la commune d'Agadir, il a régressé aussi de presque 48%. Du montant qu'il avait l'habitude de consommer et de payer avant. Aujourd'hui, donc, il y a la technologie, les énergies renouvelables, c'est un bon secteur où on doit travailler davantage. Et puis, je pourrais dire aussi pour les emplois, qui est un peu le vif de notre sujet, sur lequel on est réunis aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs, comme disait Madame tout à l'heure, les études, la bureau d'études maintenant, c'est une activité qui travaille avec le dimensionnement. L'établissement, le Embrun, qui donne l'exemple suite à la lettre du ministère que les établissements publics doivent donner l'exemple sur l'utilisation des énergies renouvelables. Donc il y a la conception, il y a le dimensionnement, il y a les installateurs maintenant qui sont partout, c'est partout dans le Maroc. Il y a le service de maintenance, il y a aussi, je peux dire que, enfin, le transport des panneaux d'importation, tout un secteur dynamique qui bouge dans les énergies renouvelables et le stockage aussi qui devient quand même un défi aussi à lever. Il y a les bureaux d'études de formation continue. Il y a donc un certain nombre de points qui créent de l'emploi et l'efficacité énergétique. Je considère que c'est la cinquième énergie, normalement la quatrième, parce qu'il y avait l'énergie fossile, il y a l'énergie renouvelable, il y a les énergies renouvelables, fossiles et nucléaires, et puis l'efficacité. Parce que l'efficacité énergétique dans tout établissement, et je défie quiconque. Là où je rentre dans un établissement en audit énergétique, j'ai 30% d'économie d'énergie à dégager, et c'est preuve à l'appui avec des rapports que j'ai faits sur la zone hôtelière et des hôtels. Il y a toujours à creuser sur les 30%, donc il ne suffit pas de produire. Il faut maîtriser la consommation aussi. C'est des courbes qui se croisent, mais à moindre investissement. L'ONU avait beau construire les centrales pour faire suivre le taux d'accroissement de 10%, mais à un certain moment, la direction générale a décidé de gérer la consommation. C'est aussi un secteur sur lequel on peut travailler. Il y a des incitations fiscales de l'État qui parlent un peu de la réduction de la TVA pour les importations des chauffe-eau et des panneaux photovoltaïques. Donc, aussi à encourager, il y a l'accès aux finances climat.
On avait parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de formations qui répondent à certaines questions de la salle tout à l'heure. Il y a aussi donc la commande publique qui aujourd'hui, le ministère, il oblige les gens d'intégrer la dimension environnementale dans la commande publique, si il y a un marché, ce qui est trop l'environnement dedans pour vraiment intégrer tout le monde. Il y a aussi la note, la note ministérielle pour donner l'exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une circulaire du ministère. Maintenant, les communes, ils appliquent sur le lait, sur la consommation. Omran, il applique sur la production. Donc, les administrations vont venir parce que, il faut vulgariser, il faut encourager les gens, il faut les rassurer parce qu'un investisseur ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait déjà quand même des cas réussis. Après, sur le marché économique aussi, pour les gens qui parlaient de l'emploi, il y a le marché carbone. Le marché carbone, maintenant, n'est pas encore appliqué au Maroc, mais ça va s'appliquer et par produit, malheureusement, pas par entreprise. Ce qui gêne un peu l'entreprise marocaine, c'est que la taxe carbone sera appliquée par produit. Je parle qu'à dire les émissions de carbone, le matécha. Je parle qu'à dire les émissions de carbone, l'achat, le plastique ou l'autre. Donc, c'est quand même un problème très grave. Et je connais une société en informatique qui dispose normalement à un proche de famille, 315 ingénieurs informaticiens, et nous, les cadres, mais ils voyagent partout dans le monde. Donc, chaque ticket pris d'avion, il y a la correspondance émission de gaz à effet de serre dans le billet d'avion. Et cette société n'a pas le droit de voyager que s'il achète les crédits ou qu'il récompense ses émissions de gaz carbonique. Ils les ont trouvées au Brésil. Il fallait trouver des hectares cultivés en olive. Ce inventaire des émissions par bureau d'études, certifié par un organisme de certification, et on vous rachète vos crédits. Un autre marché juteux, un autre marché qui est d'actualité. On ne veut plus les kilos, on ne veut plus les mètres linéaires, on veut les crédits carbone. Une autre unité, donc j'ai parlé un peu sur le marché carbone. Il y a aussi donc aujourd'hui la décarbonation des entreprises. Le mois de 2026, ça sera obligatoire. On ne peut pas franchir la tomate, le porc si vous n'avez pas une minute. Donc tout de suite. Alors, il y a le deuxième point sur lequel je parlais, même si je parle un peu tout ça, il faut le réglementer. La réglementation, il est énorme. Et donc, en termes de réglementation, il y a des lois, les lois 85-15 qui a abrogé 13-9 sur l'injection sur le réseau. Il y a l'accord de l'ABH, par exemple, pour la production hydraulique. Il y a l'injection de 20% d'excédent sur votre production annuelle que vous avez le droit d'injecter selon le territoire et le distributeur qui est dans la zone, la RADEC, la LIDEC, l'ONE, et ça dépend du distributeur. Et vous avez donc aussi le volume du gigawattheure par gestionnaire. Finalement, la loi aussi, la dernière loi, c'est la loi d'efficacité énergétique. La loi d'efficacité énergétique, maintenant, il est obligatoire pour les consommateurs, les grands consommateurs qui consomment 1500 tonnes équivalent pétrole pour les industriels et 500 pour les tertiaires, ce qui est équivalent à 17 mégawatts. C'est quand même pas tout le monde, c'est un peu l'ONCF, l'OCP et des grands consommateurs qui sont assujettis à ce droit et devraient produire des rapports à certifier au ministère de l'Environnement. Et j'annonce la dernière nouvelle, c'est un peu à la CGM, on organise cette année le trophée climat. Donc les gens qui ont des start-up ou des idées innovantes qui peuvent gagner un peu le trophée, parce que ça va être important, la médiation et l'accompagnement, l'encouragement de la start-up, on peut aller avec eux un peu plus loin. Et merci. Merci Zaid pour votre intervention très intéressante. Donc vous avez touché des éléments très importants au niveau de l'entreprise privée. D'accord. C'est vrai qu'on vous avait dit qu'il y avait des choses que les entreprises privées trouvent des difficultés à appliquer. D'accord. Au niveau du travail, n'est-ce pas, contrat de travail, etc. Mais vous avez aussi parlé des alternatives dans le domaine du photovoltaïque, alternatives dans le thermosolaire et dans l'éclairage. Et vous avez aussi fait le lien avec la création d'emplois, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de techniciens qui travaillent sur, on va dire, la mise en place de ces outils photovoltaïques, le montage, la maintenance, le transport, etc. Et donc, il y a des contraintes. C'est vrai que l'État n'oblige pas, mais il commence à obliger les entreprises, les grandes entreprises
à mettre en place ou bien à appliquer la stratégie nationale pour la protection de l'environnement, mais il y a aussi la CEGM a mis en place des outils pour inciter les entreprises avec des trophées, avec des labels. Donc il y a des entreprises qui sont, on va dire, qui vont se pencher d'une manière spontanée à mettre en place une certaine responsabilité sociétale et sociale au sein de l'entreprise. Il y a d'autres qui, avec la contrainte, n'est-ce pas, avec le droit, qui vont appliquer ça. Donc je vous remercie, Sidney. Merci. Et on va passer à ma gauche notre cher ami professeur Hassan Rahimi qui va nous parler dans le même sens du nouveau développement, le modèle de développement de la région sous Massa et l'impact sur la création d'emplois. Merci, c'est Hassan, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, chers étudiants. Je tiens à remercier donc le Maroc, le Policy Center, ainsi que la Banque mondiale, mais également le Centre d'accès et aussi notre université via notre faculté pour l'accueil donc de cette conférence déjà. Alors, de ma part, donc il s'agit le concept c'est conférence. Débat. Donc, l'objectif, c'est discuter l'intérêt de nos étudiants. Donc, en parlant des emplois verts, alors les étudiants se posent des questions, est-ce qu'on a des opportunités par rapport à ce niche d'emploi? Alors, on parle des emplois verts dans la région Sud-Massa. D'abord, je vais commencer par éclaircir, si vous voulez, qu'est-ce qu'on entend par l'emploi vert. Ensuite, nous allons parler donc, des atouts économiques de cette région, de ce territoire, on doit le connaître. Et par la suite, je vais essayer donc de parler des principaux secteurs d'activité dans lesquels on trouve la création, si vous voulez, donc de ces emplois verts. Et je vais terminer par ce point qui est important, qui suscite le débat à chaque fois, c'est l'adéquation emploi. Alors, la région Sud-Massa, c'est un territoire, comme il a dit c'est un mot. Il est composé de deux préfectures, Agadir-Idaoutenay et trois provinces, la province du Chouka, la province de Taroudant, la province de Tiznit. Donc c'est un territoire qui représente 7,6% du territoire national. Donc c'est un territoire qui dispose d'un milieu naturel diversifié. Nous avons des montagnes, nous avons des plaines, nous avons des oasis, nous avons donc une morphologie qui est présente des potentialités en termes de ressources naturelles pour l'économie de la région. Nous avons un climat aride, un semi-aride. Donc cette diversité, évidemment, nous a donné à ce que l'économie de la région également se base principalement sur ces atouts territoriaux. Nous avons principalement au niveau donc, de la structure de l'économie de la région, nous avons comme secteur d'activité, nous avons l'agriculture, la pêche, le tourisme, l'industrie, surtout l'industrie agroalimentaire. Si on prend le secteur de l'agricole, donc la région représente la première région exportatrice, surtout en matière d'agrumes et de fumeurs. Si on trouve également au niveau du secteur de la pêche, la région donc contribue avec un pourcentage de 30% au PIB national et il crée 72 000 emplois. Alors que le troisième secteur, c'est le secteur du tourisme, il contribue également avec une valeur de 7% au PIB régional et crée 120 000 emplois avec l'INDEC. Donc là, c'est les statistiques de l'ACP 2018. Il crée également en termes d'emplois, donc 120 000 emplois. Nous avons l'industrie alimentaire, surtout parce que sont liés aux deux premiers secteurs, qui est le secteur agricole et le secteur de la pêche. Nous avons l'artisanat, qui est un secteur complémentaire à l'industrie, qui contribue à la création de 40 000 emplois. Et par rapport donc à la population de la région, donc il compte 2 millions
666 847 en 2014, donc soit 7,9% de la population totale du Maroc. Malheureusement, nous avons une répartition inégale de cette population sur le territoire. 60% de la population est concentrée sur la métropole, si vous voulez, des Grands Agadirs. Côté activité, emploi, chômage, nous avons le taux d'activité de la population est de 38% selon l'enquête nationale de l'emploi de la CP en 2022. Le taux de chômage au niveau de la région est la voisine 11%. Concernant la structure de l'emploi selon les secteurs d'activité, nous avons le premier secteur qui contribue à la création d'emplois, c'est le secteur des services avec 48%. Le deuxième secteur, c'est le secteur de l'agriculture et de la pêche avec 25,9%. Le troisième secteur, c'est l'industrie, certains agroalimentaires, 10,7%. Et l'avant-dernier, pardon, c'est le BTP, le bâtiment et travaux publics, avec 14,9%. Quelques statistiques également par rapport au taux de chômage. Donc, bien évidemment, la population de la région, c'est une population jeune. Donc, bien évidemment, il y aura une forte demande sur le niveau du marché de l'emploi. Nous avons le taux de chômage selon la tranche d'âge 15-24, c'est selon toujours la même source de l'enquête nationale de l'emploi réalisée par la CP en 2022. Donc le taux de chômage chez la tranche d'âge 15-24, c'est 34,9%. Chez la tranche d'âge 25-34, c'est 21,5%. Donc nous avons un taux de chômage élevé auprès des jeunes. En ce qui concerne le taux de chômage selon les diplômes, nous avons surtout pour les diplômés, nous avons le taux de chômage atteint 18,3%. Donc, j'ai essayé donc de présenter ces statistiques par rapport aux atouts économiques de la région ainsi que par rapport aux emplois de la région. Donc, c'est pour aborder ce point de la relation entre emploi et économie, et par la suite formation et emploi. Donc, en parlant de l'emploi vert, soit il s'agit donc de l'introduction de nouveaux attributs ou de nouvelles compétences dans des métiers classiques, soit il s'agit radicalement de la création de nouveaux emplois donc qui sont liés, bien évidemment, ou qui ont une relation avec les enjeux du développement durable. Donc, bien évidemment, la communauté, que ce soit internationale, que ce soit nationale, que ce soit locale, s'occupe donc de cet enjeu de changement climatique et également de cet enjeu du chômage, donc en cherchant donc à trouver des solutions pour ces deux problématiques, et donc le développement durable ou l'économie verte via la création de ces emplois verts, donc son rôle c'est de contribuer bien évidemment à offrir des opportunités aux jeunes. Donc par rapport à ce point emploi vert formation. Donc l'adéquation, donc c'est toujours un enjeu pour l'université, d'assurer une adéquation entre l'offre de formation avec les besoins des entreprises, des secteurs privés et des secteurs privés en termes de compétences. Et bien évidemment, lorsqu'on parle des formations qui sont spécifiques par rapport à ces emplois verts, ou c'est-à-dire vous allez entendre des interventions lorsqu'on parle des emplois verts, surtout des interventions qui se focalisent surtout à l'aspect technique dans ces emplois-là. Mais évidemment, si on fait une recherche en ce qui concerne les domaines d'activité, les domaines dans lesquels on trouve la création d'emplois verts, au niveau national, même au niveau international, on a recensé principalement 8 domaines d'activité. Nous avons 2 domaines qui sont transversaux, c'est-à-dire qui ont les liens avec les autres domaines. Les premiers domaines transversaux, c'est le domaine de l'efficacité énergétique, notamment dans le bâtiment, avec l'adoption des règlements thermiques de construction au Maroc. Le deuxième domaine, c'est le domaine des énergies renouvelables, donc notamment solaire et éolienne. Troisième domaine, c'est l'agriculture durable, donc organique, l'éco-conseil, la gestion et valorisation des déchets agricoles et d'élevage. En matière d'agriculture durable, donc la région se réfère bien évidemment le premier secteur d'activité, c'est le secteur agricole. Donc nous avons cette problématique surtout dans la région, dans les grandes exploitations agricoles, nous avons cette problématique de la gestion et de la valorisation des déchets agricoles et d'élevage. Nous avons également le quatrième domaine, c'est la gestion des déchets ménagers assimilés et industriels.
et le recyclage des matières premières. Donc, bien évidemment, la commune d'Agadir également, elle a une expérience en la matière. Nous avons le cinquième domaine, c'est le domaine de l'eau et l'assainissement liquide. Le sixième domaine, c'est le transport et la mobilité urbaine durable, avec surtout au niveau de la commune d'Agadir, la mobilité durable, comme l'a souligné Madame la directrice, le projet du BHNS. Donc, le but, c'est au niveau de service. Nous avons le septième domaine, c'est le paysage et l'espace vert. Le dernier domaine, c'est les services écologiques au milieu naturel, la conservation de la biodiversité, avec focus sur l'écotourisme. Donc, notre région dispose donc d'un arrière-plan dominé par le milieu rural, les montagnes, donc, qui offre des opportunités pour développer l'écotourisme. Nous avons donc, voilà donc, si vous voulez, les principaux secteurs qui contribuent à la création de l'emploi vert. Par rapport donc à l'offre de formation, bien évidemment, au niveau de notre université, nous avons un master géné des procédés environnement au niveau de l'ENSA, l'École nationale des sciences appliquées, c'est un diplôme d'ingénieur. Nous avons une expérience, mais qui n'a pas continué au niveau de la fac des sciences concernant une licence en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Nous avons une formation au niveau de l'ESTA, l'École supérieure de technologie. Le public, il est composé d'étudiants en droit et en économie. Je pense que lorsqu'on parle de ce domaine-là, là également les étudiants en économie ou en droit, ils ont des niches sur lesquelles ils peuvent travailler. Nous avons la finance verte. Le premier panel, Madame la directrice Chaffey, il a parlé donc de l'absence de compétences juridiques certes en matière de l'environnement, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Suzanne, il a parlé donc de la décarbonisation du secteur industriel. L'Union européenne donc entame donc d'adopter la charte verte, donc il va imposer un certain nombre donc de normes aux entreprises exportatrices marocaines. Et donc là, c'est-à-dire que il y a vraiment des niches où l'université doit travailler et qui va offrir des opportunités à nos chers étudiants. Et donc, pour développer ces formations en relation donc avec ces secteurs-là, il faut une approche transversale. Donc, les initiatives individuelles auront des difficultés, mais il faut une approche transversale qui va impliquer que ce soit les universitaires, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit le secteur privé via les associations professionnelles. Et donc, de mobiliser une intelligence collective afin donc de faire des belles propositions. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse du. Donc, il a en même temps la réunion au niveau de la commune, donc il est obligé de partir. Donc on le remercie parce que malgré les diverses contraintes, il a pu quand même se libérer pour nous dire son. Donc Monsieur le Dr Hassan Rahimi, il a parlé des points suivants. Donc il nous a présenté un diagnostic rapide sur le territoire au niveau social, géographique, économique. Par la suite, il a présenté le concept de l'emploi vert, c'est quoi. Puis il a essayé de parler des domaines. Les huit domaines d'activité, on peut faire beaucoup de travail là-dessus. Il a aussi essayé de nous dire est-ce qu'il y a une certaine adéquation entre la formation et l'emploi par rapport à l'OFPPT, parce que j'étais, formateur à l'OFPPT dans un temps, déjà pas mal. Au sein de l'OFPPT, il y a une direction qui s'appelle la direction de la recherche et de l'ingénierie de formation. Donc avant de lancer une formation, on va faire une étude de marché. Or, au niveau de l'université marocaine, les choses commencent à changer parce que et le prof, et l'université, et la faculté, et l'école, ils ont une certaine autonomie. Une autonomie, ça veut dire quoi? Le prof est libre de proposer une formation comme un grand, tout seul, sans se poser la question est-ce qu'il y a
un besoin. C'est vrai qu'il y a des profs qui ont, on va dire, cette responsabilité sociétale, c'est-à-dire ils vont se poser la question, après le diplôme, est-ce qu'il y aura un besoin? Mais malheureusement, le nouveau ministère, il a essayé d'inverser la tendance. Donc, on passe à nos chers étudiants. Donc, à vous la parole. Je m'excuse s'il y a des invités de grand calibre, des professeurs qui veulent réagir parce que c'est sûr qu'il y a des choses à dire, mais vu que Madame Yasmine, il a beaucoup insisté, d'accord, il a beaucoup insisté que l'expérience avec d'autres universités, il faut que c'est l'étudiant qui est au centre de tout ce qu'on fait, nos étudiants ils sont au centre, et donc je vais commencer à collecter les questions, s'il vous plaît, allez droit au but, d'accord, et vous êtes libre de parler comme vous voulez, essayez de parler vert, parce que vous êtes le printemps, hein, vous êtes des jeunes vivants, vous êtes libre, essayez de parler vrai, parce que la parole n'est belle que si vérité. D'accord. Essayez de nous dire ce qui vous vient à la tête en arabe, en berbère, parce que il y a des camarades qui maîtrisent le berbère. D'accord. Donc, Zélie, elle est là pour nous accompagner dans la traduction, dans le passage. C'est pas la transition énergétique, mais la transition linguistique. Donc, à vous la parole. Je connais bien Yahoud Kalima. Redita. Bonne occasion. Tu as fait un petit. Mais je suis étudiant, c'est vrai, et ça a chouval. On va lui donner la parole à mon frère. Une deuxième fois, à la fin. À la fin, des jours que je vous cède. Un micro. Haoulna, écoute, vous parlez fort. Présentez-vous et parlez fort, s'il vous plaît. D'accord. Donc, d'abord, les officiers. Je me présente. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Mustapha Albana, un étudiant de licence professionnelle CCA à la faculté de l'UE. Donc, j'ai beaucoup de questions à poser, mais je préfère vous poser les plus importants à mon avis. Premièrement, quels sont les bénéfices de quels sont les bénéfices que les emplois verts peuvent apporter à la région de Tsoumassa? La deuxième question, c'est comment on peut encourager les entreprises locales à adopter le développement local. Troisième question, quels sont les secteurs clés que la région offre un potentiel important pour les emplois verts? Et dernière question, c'est quel est le rôle des autorités locales, régionales dans la promotion des emplois et la création d'un environnement durable à leur développement? Donc, mes questions, je vous remercie à votre attention et je suis très content de me donner l'accès à la participation de cette discussion. Merci. Très bien, merci beaucoup pour votre question très intéressante. Vos questions très, très intéressantes. Donc, j'ouvre le débat. Donc, on prend deux ou trois questions. Alors, bonjour à tous. Je tiens à remercier notre cher professeur d'être invité. Et aussi les étudiants qui ont assisté à ce deuxième panel. Évidemment, le sujet est très important, comment dire, un domaine qui est très, très important et qui est futuriste. Il y a un avenir très
est ouvert et qui va ouvrir des horizons importants aux étudiants. Donc, les invités ont abordé beaucoup de choses et présentent différents organismes, chacun de sa spécialité. Donc, j'ai trois questions, plutôt quatre. Lorsque l'actrice qui présente le centre français de gouvernement, donc, là, il a parlé des différentes stratégies, le cadre juridique et l'objectif de l'OETD. Je pense qu'on a un problème au niveau de l'évaluation. Donc, est-ce que vraiment on a des stratégies, pas des stratégies pour le secteur, mais des stratégies pour l'évaluation? Parce que c'est très intéressant, au Maroc, on a beaucoup de stratégies, mais au niveau de l'évaluation, ça ne finit pas dans les rangs des ministres et on ne voit pas les résultats. Donc, il faut avoir une approche d'évaluation qualitative, quantitative et avoir une évaluation environnementale pour avoir des stratégies. Est-ce qu'ils ont vraiment, vraiment atteint leur but au niveau de l'environnement? Ma deuxième question concerne. Concerne monsieur, donc la CEGEM. Donc, la CEGEM, c'est donc une organisation, une fédération plutôt, qui rassemble beaucoup de secteurs et d'entreprises. Est-ce que, évidemment, est-ce que toute la CEGEM est d'accord pour vraiment, est-ce qu'il y a un accord général dans la CEGEM pour favoriser ce développement et le développement des métiers verts? Parce que la CEGEM, ce n'est pas justement une entreprise. Il y a différents secteurs qui ont des intérêts plus ou moins contradictoires, on va dire. Il y a des secteurs de l'automobile qui ne sont pas ravis de voir la transformation de l'automobile diesel à l'électricité. Est-ce que la CEGEM prend cet aspect en considération? Ma dernière question concerne, c'était aussi adressé à M. le président de la CEGEM. Est-ce que, évidemment, les entreprises, est-ce qu'ils arrivent à trouver des pistes et des outils qui rendent ces métiers, la création des métiers qui sont profitables, donc des projets et des métiers dans l'économie verte, qui soit profitable, parce qu'entreprise, c'est la rentabilité qui l'intéresse au premier plan. Donc, on s'intéresse au côté économique avant l'environnement. Donc, l'État intervient pour encourager les entreprises, mais est-ce que les entreprises, de leur part, essayent de trouver des solutions qui sont rentables économiquement? Et merci pour votre attention. Je le suis peut-être. Le genre, là. On a le genre. Ah, les ODD. Les questions par les La question du genre. Salam alaikum, bonjour. D'abord, j'aimerais bien remercier nos chers intervenants, mais aussi notre chère invitée et tous ceux qui contribuent à la réalisation et à l'organisation de cette conférence. Donc, concernant mon intervention, je vais intervenir concernant des points. Plutôt, j'ai deux questions. Monsieur Amour a dit que la problématique du changement climatique, c'est une problématique qui est planétaire. Mais la solution, ou bien les solutions de cette problématique, elles sont locales. C'est-à-dire que les communes territoriales qui doivent réagir pour résoudre ce genre de problème. Et donc, ma question est que comment les communes peuvent-ils réagir pour, c'est-à-dire pour résoudre ou bien résoudre ce genre de problème, si vous pouvez nous expliquer comment. Et concernant ma deuxième question, c'est est-ce que les emplois verts peuvent-ils contribuer à la réduction des inégalités sociales et économiques? Si oui, comment ils peuvent contribuer? Et merci beaucoup pour votre réponse.
Discrimination. C'est juste pas positif. So, hello everyone. My question will be in English. Great, is that okay? Yeah. Okay, so earlier the Mr. over here, but I unfortunately can't remember his name, said that the climatical problem is universal. And we are at the regional, we just like a little participation to fix that problem. But we know that the national economy is so low if we come to compare it with the global economy or the international economy. So what are, how the international companies or companies around the world that are much more bigger than ours fix that ecological problem? And my second question. يمكن لك تكلمي بالعربية. عربية. بالسبب. كذا كيسيون كيجا. كيجا بارك. بارك كيجا. زين. Merci pour rencontrer cette conférence. J'ai des questions qui sont liées à la compétence et à la formation. Une question, c'est d'outils méthodologiques pour les fournir à la fois en langue professionnelle et pour les idées et analytiques. Ce qui peut être transformé, la compétence, la transformation des métiers. Ils ont leur formation à faire l'évangile. Les questions, c'est on a des expériences réussies concernant dans d'autres pays européens, concernant la création d'autres marchés. La question, c'est comment on multiplier ces initiatives au niveau international. Merci. J'ai deux questions. La première, c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris en fait, c'est quelque chose qui a relation avec les ODD. La première, c'est comment le Maroc va intégrer les ODD dans les régions. Par exemple, d'après ce que j'ai compris, que par exemple, la région de Rabat a déjà appliqué les ODD et bien. À bien les intégrer. Parce que, par exemple, d'autres régions sont, par exemple, soumises à des discriminations. Et la deuxième question, c'est principalement s'il y a, par exemple, des mécanismes qui sont mis par la législation pour assurer, par exemple, la disposition et encourager, par exemple, les entreprises à mieux en fait être conformes aux conditions environnementales. Ça m'est tout. Bonjour. Je tiens à remercier nos chers coordinateurs de Master Moussi Hassan Abrahimi et M. le professeur Khalifa Hassina et nos chers intervenants. Comme on parle de notre région, c'est ce matin. Je prends l'exemple de province Chouraïdbara. On sait que les associations sont le moteur du développement, surtout les associations au niveau rural. Ce sont nos moteurs de développement. Ma question c'est, les associations prennent en compte la durabilité lorsque nous devons faire de l'humilien en considération de la durabilité. Est-ce qu'il y a un accompagnement aussi
Il y a un accompagnement aussi pour les associations. Merci. Merci, chers étudiants, pour vos questions qui sont très pertinentes. Donc, et c'est le débat, avec le débat qu'on va avoir et le savoir et le savoir-faire, et comme ça, on aura la compétence. Donc, je m'excuse pour vous, chers étudiants, c'est un empêchement. Donc, il est à cheval sur plusieurs chantiers, n'est-ce pas? Donc, on a eu le plaisir de le garder avec nous en premier, mais il a d'autres responsabilités. Et donc, je passe le micro à le cher expert pour répondre. Pas de problème. Donc, si vous avez... D'accord. Merci donc pour les questions pertinentes qui vont un peu dans le ce qu'on est en train de discuter. Je commence par la dernière. Pour les chers étudiants du Stuttgart, il y a les associations, effectivement, de la société civile et de l'association professionnelle. Ils sont des acteurs très importants dans l'arrière-pays pour le développement du territoire. Pour vous dire que l'initiative doit toujours émaner de quelqu'un qui est de l'association, effectivement. Moi, j'ai travaillé au réseau de développement du tourisme rural et on avait l'idée d'intégrer les énergies renouvelables dans le secteur parce qu'on avait besoin d'un label pour les touristes écologiques qui viennent chez nous parce qu'on est sobre en carbone, on n'a pas de empreinte carbone et on a monté un projet important avec le Fonds mondial d'environnement, le PNUD, qu'ils ont l'aimabilité, on les remercie davantage parce qu'ils ont financé, contribué au montage financier du projet et on l'a réalisé, ce que fait aujourd'hui tous les gîtes qui sont de l'arrière-pays ont bénéficié de cette action comme étant association. Déjà, c'est un point. Cette semaine, il y avait un projet, c'est un projet anglo-arabe, hein, et ils ont tenu la réunion cette semaine à la région pour évaluer la portée des idées, c'est-à-dire le poids de l'association civile dans la prise de décision, le développement. Est-ce qu'ils sont une force de proposition dans le développement durable ou non? Et ils ont beaucoup de projets avec eux. Ils travaillent sur les trois, le secteur de l'alimentation, l'énergie et l'eau. Donc ça concerne généralement les associations qui sont organisées. En plus, la forme juridique des associations coopératives, ce sont elles qui sont beaucoup mieux prêtes à recevoir des financements des bailleurs de fonds internationaux parce qu'on ne peut pas financer une entreprise privée ou un intérêt particulier. Donc on est généralement dans le global et on est dans l'intérêt général. Ça pour vous dire qu'il n'est pas à l'abri. Deuxième chose, il y a cette semaine, on avait à la Chambre d'agriculture assisté à l'initiative des jeunes lauréates de l'OFPPT, Master, qui ont développé les séchoirs et les cuiseurs solaires. La Chambre de commerce, c'était important. Les séchoirs, c'est bien, parce que ce n'est pas uniquement le séchoir. Après le séchoir solaire, ce sont les pommes, les plantes aromatiques médicinales, et donc toute activité générée derrière ça, donc il y a quand même un secteur important pour les associations. Voilà déjà un point qui parle un peu de ces associations. Il y a la contribution, quel serait l'apport et le bénéfice de la région Sus-Massa pour les emplois verts. Monsieur Amour avait dit tout à l'heure que la question environnementale, c'est une question planétaire. Chacun amène sa pierre à l'édifice, c'est un peu global, c'est un peu à l'international. Moi, j'avais essayé dans le tourisme rural justement de décomposer les émissions de gaz à effet de serre d'un touriste qui vient au pays. L'aérien, c'est le secteur le plus polluant. On a toujours évité ça parce qu'il y a un grand poids sur la pollution. Et on a calculé les émissions de l'aéroport à l'arrivée de chez lui à l'aéroport, le transfert de l'aéroport à l'unité d'hébergement, les émissions du séjour pendant son séjour au gîte rural. C'est comme ça qu'on avait monté le projet pour justifier comme quoi on a fait ça. Et donc, il y avait les émissions du séjour et le retour.
Après, nous avons calculé combien de bois on a récupéré pour l'araignée et le redéploiement de la femme qui faisait la corvée de ramasser le bois et s'occuper de ses enfants. Donc, il y a toute une arborescence qui est un peu complexe qu'il faut encourager pour le développement rural et surtout féminin. Ce qu'apporte, ce qu'elle bénéficie comme région, c'est que la région a des grands enjeux, il y a la logistique. D'abord, quand on voit un camion qui est de Casablanca, c'est 10 camions de 10 tonnes, ça fait 100 tonnes. On peut prendre 5 camions de 30 tonnes et on va réduire les émissions. Donc, c'est là, généralement, dans l'environnement, on parle de l'apport à la planète, mais pas pour le local. Comme on a dit toujours, penser global et agir localement, c'est notre devoir d'agir localement. À la décomposition, comme j'ai dit, des émissions, on avait terminé toutes les émissions, l'oxygène, parce que la personne en lui-même, il est en train de polluer avec les gaz CO2 qu'il émet dans ses poumons. Voilà qu'il les met ici ou ailleurs ou chez lui, donc il n'y a même pas à agir sur cette cause qui nous est pas imputée. Et il y avait un autre point, l'évaluation stratégique, peut-être c'est madame qui va répondre, c'est l'évaluation des stratégies. Le durable et la CGM, quel est l'intérêt pour le développement durable? Il y a déjà l'obligation, même pas l'intérêt, mais il y a l'obligation. La RSE, c'est un label qu'on fournit à l'entreprise quand il est responsablement et socialement engagé. Et c'est presque une obligation. Deuxième point, on a parlé tout à l'heure de la taxe carbone. C'est la Communauté européenne qui va l'imposer. Parce que vous n'êtes pas décarboné. Votre société, elle est émettrice d'émissions de gaz à effet de serre et vous n'êtes pas admis dans le marché. Plus que ça, j'avais avec Oxfam une petite étude pour étudier les irrégularités qui sont produites dans la production, par exemple, d'une bouteille d'eau. Est-ce qu'il y a le respect des horaires de travail? Est-ce qu'il n'y a pas d'agression féminine de la femme? Est-ce qu'il y a le respect des horaires? Est-ce que les salaires sont respectés? Est-ce que, donc, toutes ces conjugaisons de ces efforts devraient être appliquées pour pouvoir développer l'économie locale. Et si vous êtes isolé, vous restez isolé, c'est tout, voilà. L'économie internationale, elle est comme ça. Et merci. Merci, Cizet, pour cette réponse très intéressante. Je passe la parole à madame Hadij Jessel. Merci beaucoup de ces questions qui sont très, très pertinentes. Vraiment, je suis très, très contente de vous écouter les questions, vraiment... Je termine par ce qu'a dit Zayn. C'est vrai, comment encourager les entreprises pour la durabilité, leur activité de durabilité. Comme il a dit, ils vont par des labels, hein, par des labels. Il y a le trophée climat qu'on va organiser, Inch'Allah, la CGM qui va organiser avec la région, avec nous-mêmes. Donc, ça va encourager les entreprises à réduire leurs émissions sur les gaz à effet de serre, à réduire leur consommation de l'eau, à réduire leurs déchets. Pourquoi ne pas tendre vers zéro déchet? Parce que la plupart actuellement, ils recyclent leurs déchets ou bien ils produisent même des CSR, c'est-à-dire des combustibles pour nous avons... actuellement un méga projet sur la nouvelle décharge de Agadir. La nouvelle, c'est pas la décharge maintenant, c'est le nouveau centre d'élimination et de valorisation des déchets. On va produire le CSR, c'est-à-dire les produits combustibles à la place, par exemple, pour les cimentiers. Pour les cimentiers. Donc, ils vont changer le combustible fossile par le combustible vert. Donc, c'est un méga projet. Donc, c'est-à-dire on a beaucoup d'actions vertes. D'une part, on produit la CSR, donc on réduit la quantité des déchets. Donc, tout ce qui est le bois, les tissus, le plastique et tout ça, il va être produit pour le CSR. Donc, on va réduire un grand pourcentage de déchets, ce qui fait on n'aura pas beaucoup de déchets à enfouir, ce qui fait même la durabilité de la décharge, elle va durer très longtemps.
Et aussi, on n'aura pas besoin d'un grand espace. Et donc, on va, c'est-à-dire que c'est un projet qui est très important. Aussi, les entreprises, ils seront d'office taxées. Hein. D'ici 2030, ils vont être taxés. Et là, pourquoi ? Déjà, après la taxe carbone. La taxe carbone, tu as les entreprises qui ne produisent pas un produit responsable, ils ne vont pas être acceptés à l'Europe. Déjà, par exemple, on va les taxer. Ce n'est pas nous qui va les taxer, mais la ressource en eau, c'est une taxe naturelle. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de précipitation. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Ils sont taxés d'office parce que, par exemple, je n'ai pas de ou bientôt ils prennent actuellement l'eau dessalée. Et l'eau dessalée, elle est très très chère par rapport à l'eau naturelle. Donc, ils seront taxés d'office parce que si on continue à consommer et à épuiser les ressources naturelles, on va tous se trouver sans eau, sans électricité, sans rien du tout. Donc ça, le produire responsable et aussi consommer aussi responsable, c'est très important. Par exemple, c'est une idée qui m'est venue. Le pastèque liquide, le 5 dirhams, la pastèque, ça drame, le pastèque. ما يكون عندنا مثلا ان كونسوماسيون ريسبونسابل انا ما نشريش ها ما نشريش انا ما نشريش انا واحد دي طن ديال الماء باش ناكل انا الدلاح سي حرام سي حرام وخا الله على هذا الشيء ها هذا كل شيء ديال الله فريمون حرام بونس ريسبونسابل بونس ريسبونسابل حتى انديفيديوالمون راه فايلكو بونس ريسبونسابل. L'évaluation stratégique, l'évaluation, on va dire que le ministère vient. C'est pour ce que j'ai dit ça. On a un système national d'information de l'environnement et du développement durable. On a les systèmes d'information régionaux de l'environnement et du développement durable. Donc, on a le système, on suit les indicateurs et on suit les indicateurs. Hein? Le système, il est là. Il traite la donnée environnementale, donc il lit Brachy Haja à la donnée environnementale. Nous avons intérêt, il suffit de taper ce qui est sous le matin, Rahadi Khajliko. Donc, les stratégies, les candidats, là au niveau national, voilà, au niveau régional, ils sont suivis. Ils sont suivis, évalués. La SNDD a été évaluée en 2021, il va être actualisé en 2023. Donc, ne vous en faites pas, les stratégies, les gouvernements, les stratégies ou les plans, ils sont évalués. Parce que s'ils ne sont pas évalués par nous-mêmes, ils vont être évalués par l'international. Parce que, qui m'a dit, comme les ODD, il ne suivra rien. Les Nations Unies qui ont un système de suivi et évaluation de leur programme. Maintenant, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire l'évaluation de la planification. Il est très, très, très bien suivi. Qui m'a adressé la question sur les changements climatiques, c'est planétaire, c'est vrai. Le Maroc, il n'émet pas. On n'émet pas d'émissions. On n'est pas obligé pour faire des actions via les changements climatiques. On subit les changements climatiques. On est impacté, très impacté par les changements climatiques. Le Maghreb, voilà, l'Afrique, il est très impacté. L'Afrique, il n'émet pas plus de 2% des émissions. Mais on subit. Donc, on agit. Il faut agir sur tout le volet adaptation. On doit s'adapter avec le changement climatique. Ce qui fait qu'il faut avoir une stratégie nationale et une stratégie régionale l'adaptation des changements climatiques. Pour regarder ce que vous avez dit, le PTR, c'est le plan territorial sur le changement climatique. Mais si à notre gré, mais on est obligé de s'adapter et aussi on est obligé par la COP22, l'accord de Paris, on est obligé, nous aussi, de présenter des rapports sur la réduction de nos émissions. On présente les CDN, on présente les rapports biannuels. Donc, ça, on est obligé de se conformer à la Convention cadre des Nations Unies au changement climatique.
Bien sûr. L'économie nationale, il ne faut pas imaginer que si on produit vert, on va atteindre l'économie nationale. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Hein? Si notre économie, ça ne va pas être impactée. Au contraire, parce que ça sera, il y a d'autres notions, il y a l'image de marque internationale, hein? Il y a aussi les compétences, il a parlé sur les compagnies internationales, c'est vrai, hein? Les compagnies internationales, on a fait un appel aux compagnies internationales, je sais pas, les stations d'épuration, juste les stations d'épuration, les stations d'épuration, on n'a pas تنعيطوا الانفيروسيبتيك لا ولا بيوليا ولا نعيطوا لسميت ما عندناش هاد لا مي سي تا كاينو دومبلوا فير يفو كروزي لا دون انا سمعت راه كاينه عندنا دابا اكطويلمون دي ميكرو انتربريز كي ترافاي دورمون فهاد لا ستاتي لي ستاسيون ديبوراسيون حنا عندنا هاد المشكل انا بعدا عندنا حالي هاد المشكل هذا لانه حنا les études d'impact sur l'environnement, il faut qu'on impose aux entreprises à traiter leur eau et à les réutiliser. Donc, d'abord, c'est une loi en matière de sous-mesta. Là, l'assainissement liquide dit les devoirs ou les communes, Koulchi d'abord, ils sont obligés d'avoir des stations d'épuration conformes les adiatona une eau d'irrigation. Ou d'abord les entreprises, ils creusent le créneau. Ok, c'est une concurrence très cruciale. Et les étudiants, pourquoi? Parce que on a actuellement un processus qui est mis à l'université de Ben Gurion. Ils ont inventé un processus de traitement des eaux par les microalgues. Et c'est très important. Je vous assure que c'est très important. Ou alors les créneaux zafratini, maintenant. La digitalisation, c'est un créneau que vous maîtrisez énormément. La valorisation des déchets plastiques agricoles. Nous avons l'économie circulaire de la filière. Où les entrepreneurs ils ont inventé une application qui doit chaque une quantité de déchets qui est là. Ou tu dis la l'application. C'est un domaine que vous maîtrisez énormément. Les applications, digitalisation, c'est votre domaine où il y a plein de choses à faire. Et en même temps, c'est responsable et c'est vert. Ce sont des métiers verts. Le recyclage des déchets aussi. Le recyclage des déchets, c'est un créneau qui est extraordinaire. Plastique agricole, les déchets agricoles, le compostage, le recyclage, ça c'est un créneau qui est extraordinaire. Ok, il va travailler des startups, mais à l'université qui sont allés très loin. Il y a un startup qui produit le compost par les eaux de Marjane, parce que les eaux de Marjane, via l'olivier, ils se composent des enzymes qui ne laissent pas être envoyé avec le compostage par les champignons. C'est extraordinaire. L'université a fait des transferts extraordinaires qui ont été via la cité d'innovation. Et je vous invite à partir de la cité d'innovation et voir ce qui se passe et voir avec les startups qui ont produit des produits alimentaires, même les insectes. Vraiment, c'est la cité d'innovation est très avancée. Il faut y aller, il faut taper les portes. Il y a les administrations aussi, parce que les administrations qui ont beaucoup d'expérience. On a capitalisé la direction régionale que nous avons fait pour répondre à ce qui est dit. Là, on a beaucoup d'affaires avec les associations. Là, c'est 34 bonnes pratiques. Tous les domaines, l'eau, la biodiversité, les déchets, tout ce qui est les métiers verts. On a numérique, il a pris tout numérique. Merci, la majorité. Je suis avec vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Sophie Ahmed. Je suis étudiante en sciences
et nos chers étudiants ont fait que a émergé des réponses qui n'ont pas été au départ programmées. Bon, merci, chère madame. On aura, Inch'Allah, l'occasion. Donc, avant de donner la parole à Si Hassan, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'experts ici parmi nous. Monsieur Vienna, le directeur Vienna HCP. Malheureusement, madame Yassine. Après l'intervention d'Yassi Hassan, on va lui donner la parole, d'accord? Je vais aller à des ODD, parce qu'il est le directeur. Merci, monsieur le président. Juste, je vais réinteragir par rapport aux questions posées par mes chers étudiants. Alors, par rapport au rôle de la société civile, bien évidemment, M. Zeid, la dernière semaine, on a participé à un atelier dans le cadre d'un projet mené par l'Institut marocain donc d'évaluation des politiques publiques avec des partenaires, en Tunisie, au Liban et en Égypte. Donc, ce projet-là, avec un titre de la transition juste et durable, donc, il vise à encourager la société civile, à la sensibiliser et à renforcer ses capacités en ce qui concerne son implication et sa participation, surtout dans l'élaboration des politiques publiques et en relation avec l'environnement. Donc cet atelier, il a rassemblé presque une trentaine jusqu'à une quarantaine d'associations de la société civile de la région Suisse-Massa et de quelques associations des autres régions. Donc juste pour montrer qu'il y a des associations donc, qui s'intéressent au domaine de l'environnement et également il y a des opportunités à saisir qui vont leur permettre de renforcer leurs capacités en la matière. Deuxième question, c'est par rapport donc à l'évaluation. Et là, je laisse le soin à Monsieur le directeur régional de la direction de la planification de la statistique, surtout en ce qui concerne l'évaluation des EDD. Comme Madame la directrice l'a souligné, donc il y a des indicateurs de suivi. Et donc, un site réservé au suivi et à l'évaluation donc de la réalisation de ces objectifs au niveau de chaque de différentes politiques publiques et même au niveau des différents départements ministériels. Et je termine par répondre à la dernière question par rapport donc question compétences formation. Donc notre cher collègue Monsieur Sina donc il a parlé donc au départ du triangle de la compétence savoir savoir faire savoir être. Moi je vais ajouter savoir savoir faire savoir être, mais il a la compétence du savoir agir et savoir devenir. Donc, savoir agir, comme il a dit madame, c'était l'innovation, chômage pour être affaire, au niveau de la compétence, il ne faut pas raisonner au niveau de votre formation en ce qui concerne diplôme. Il faut raisonner en termes de compétences. À ce moment-là, les compétences, il y a un diplôme. Si on prend diplôme, il y a un diplôme. Si on prend formation finance, comptabilité, contrôle, ou la finance, comptabilité, audit, régulier, question à la cadre. Donc, alors, traiter la finance, il faut chercher pour la creuser dans la finance verte. Je me fie à. D'accord. L'audit énergétique. Un auditeur, là, il peut se spécialiser dans le domaine de l'audit énergétique. Je pense que le marché de travail rentre à de la spécialité. Il a dans l'économie qu'il y a les études d'impact. Donc, le fait de se spécialiser dans les études d'impact libère aussi des cherches de compétences dans cet axe-là. Donc, juste pour vous dire qu'il ne faut pas rester limité, de recevoir juste votre formation initiale ou formation de base, mais il faut avoir cette capacité donc, de savoir agir, de savoir devenir, c'est-à-dire de concevoir une situation de compétences et chercher donc, à acquérir cet ensemble de compétences. Merci. Parole au directeur Sela Arabi, HCP, que nous avons l'honneur de voir avec nous. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier l'organisateur de la part de l'HCP,
toujours disponibles. Au fait que j'avais beaucoup de clics, je vais intervenir sur deux axes. Premièrement, sur tous ces indicateurs, voilà, le chômage, c'est pour ça. On va dire que moi-même, puisqu'on est dans un milieu académique, je donnerai quelques idées. C'est un petit peu la réflexion et la recherche. La première des choses, c'est que nous ne connaissons pas bien le marché. Puis, il y a une question de son moral qui est plusieurs fois, c'est qu'on n'a pas à chercher à savoir les changements qu'a subi le marché du travail et pas la projet. C'est-à-dire toujours que le marché du travail marche avec, fonctionne avec la même approche, la même argent. Ce qui veut dire, par exemple, que nous avons pu constater que pendant la période de pandémie, nos indicateurs d'activité de chômage n'ont pas beaucoup parlé. Alors, il fallait qu'il y ait quelque chose. L'explication était à la fois paradoxale et extraordinaire. On a pu conclure que le secteur a joué le rôle. Pendant la période de pandémie, ce qui est difficile à concevoir. C'est comme ça. Deuxième chose, c'est que la pandémie nous a également rappelé, encore une fois, que lorsqu'on parle de marché du travail, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la création. On parle toujours de création. Non, après la pandémie, il faut parler de préservation et de pérennisation des emplois. Parce qu'on a pu constater qu'après la pandémie, même au niveau de la région sociale, on a perdu, on est en train de perdre beaucoup plus d'emplois que dans le pays. Donc il faut être un petit peu réaliste, quoi, pour dire que voilà, nous sommes dans une situation où nos indicateurs de la région sont en train de reculer, parce que traditionnellement, la région sociale a toujours été un engagement moyen en termes de chômage d'activité. Mais, juste pour citer des exemples, le mois de janvier, nous avons enregistré au niveau de la région de Soussa un taux de chômage de 17% qui est le plus haut au niveau national. En 2022, nous avons enregistré 12% contre l'activité des femmes, alors de 12 à 30%. Donc il faut se ressaisir pour essayer justement de réfléchir mutuellement, politiquement, sur ces situations. En posant les bonnes questions. La première, je l'ai dit, qu'est-ce qui a changé après la pandémie sur la question concernant le marché du travail, peut-être même le marché du travail. Pour poser cette question, parce que on aura des enseignements très instructifs. Donc de là à parler de création d'emplois de verre, il faut partir de ces deux constats. Premièrement, l'informel, il est là. Il peut être la première niche où on peut justement concevoir des emplois verts. Il y a bien sûr un effort de mise à niveau et de renforcer le capacité. Le deuxième, pourquoi ne pas poser une autre question? Comme j'ai dit, je suis dans un milieu académique, donc je poserai plus de questions que d'affirmations. Pourquoi ne pas dire, est-ce que les emplois verts, à travers cet effort de mise à niveau et de renforcement de la capacité, est-ce qu'on peut, à travers les emplois verts, récupérer les emplois qui sont habituellement perdus dans des secteurs comme l'agriculture. Même si on parle de milieu comme le agriculture, tout ça, c'est le premier secteur qui perd l'emploi au niveau de l'agriculture. Il a toujours perdu. Est-ce qu'on peut remédier à cette situation en essayant de trouver des solutions via les emplois. C'est juste des conjectures, des suppositions qu'il faut vraiment y aller un petit peu.
Donc ça, on voit que nous, on va vous poser un problème, mieux c'est respecter les possibilités, les opportunités pour faire un autre programme vert dans le secteur. Le secteur apprenant qui n'est pas, même si on est tout ça, mais je crois que l'enseignement de la pandémie a remis en scène ce secteur. Est-ce qu'on peut récupérer certains pouvoirs perdus? Il y a un perdissement, je ne sais quoi, de ces emplois. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pour pousser la réflexion, pour poser des bonnes questions, pour ne pas trop s'attarder sur ce ça. Parce que nous, on a tendance à aller directement au taux de chômage. Le taux de chômage, c'est un indicateur qui sert au discours politique. Si on veut juste évaluer, avoir une idée sur la dynamique du marché du travail, on peut dire qu'on ne peut pas. La première, c'est que notre économie crée entre 10 et 12 000 emplois nouveaux chaque année. Mais en contrepartie, nous avons jusqu'à 27 000 arrivons nous sur le marché chaque année. Donc, on vous parle du chômage, de l'activité de ce que vous voulez, c'est une économie qui ne peut pas être pas. On est très, très, très loin d'une économie qui peut satisfaire le besoin des demandes d'emploi. La deuxième chose qu'on a, qu'il faut également mettre à l'évidence, quelles sont les caractéristiques ou les atouts de la région pour justement être attractive pour certains profils. Ce qu'on a fait, une petite comparaison entre le salaire, la promotion, peut-être même les conditions de travail, d'un ingénieur qui travaille au niveau de la région commerciale et qui travaille dans le locomotive économique tel que Tanger, Casa, etc. Est-ce qu'on a pu faire cette comparaison? Donc, je pas en train d'ajouter un clou à l'élection, mais ce sont des questions à poser. D'accord. Avant de vous parler pour ce soir, on peut essayer, parce que comme je dis, de mieux connaître le marché du travail, au mieux connaître. Et essayer d'inculquer cette culture, de baser toutes nos orientations économiques sur la création et sur la perte. Avoir l'esprit qu'un homme va pérenniser vaut mieux que nos autres 10 qui ont été créés. On parle de l'autre emploi, mais il y a une résidence de ce monde d'emploi sur l'ensemble des activités. Nous avons au niveau de la région 80 et 110 000 chômeurs par an. Donc, Alexis Gilbert. Est-ce qu'on est en train de se faire? Ça, c'est le premier point. Le deuxième concernant la sécurité, comme on a dit maintenant, c'est vrai, les ODD, depuis 2015, les ODD avant, c'est un climat qui doit être beaucoup plus pris en considération par la justice scientifique, par la justice. La chose est très simple. Ce sont des engagements planétaires. On s'est engagé pour avoir le courage de visiter toute notre stratégie. Essayer d'y entrevoir les prémices de l'orientation à même de nous permettre d'atteindre ces objectifs. Pour l'instant, c'est un domaine qu'on peut appeler un domaine de spécialiste, parce qu'il nécessite vraiment un suivi. À chaque fois, il y a des nouveautés, à chaque fois, il y a des élections qui sont faites, et au niveau national, on élabore des rapports nationaux. Au niveau national, il n'y a qu'un seul rapport qui est celui de Tanger. Au niveau de tout cela, on est en train de bien réfléchir. Mais nous avons devant nous un parterre d'acteurs qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore approprié l'idée. Il faut commencer par là. D'une part, même en termes d'indicateurs, nous avons une garantie pour concilier un grand nombre d'indicateurs ODD au niveau régional. Pas
d'appareils statistiques qui puissent renseigner tous les cours. On est à 15% de la population. Et puis, même si on faisait ce travail, à quoi servirait ce travail de réflexion, tout ça, si on ne trouve pas la trace de cette implémentation des OBD au niveau de nos projets de développement territorial. Là, il y a une autre question. Je vous en ai discuté. Comment peut-on intégrer ces OBD dans un PDR? Une question. Il faut avoir à l'esprit pour bien comprendre. Donc, de là à dire qu'en termes de délai, nous avons ce problème, si on ajoute un nouveau modèle, je vais souhaiter poser quelques questions à madame. Parce qu'au HCP, on faisait l'évaluation des politiques publiques en se basant sur les orientations des indicateurs et des ODD. Et après l'instauration du nouveau modèle, nous avons deux références confiées à cette évaluation. Donc, le travail qui a été fait avant de cette évaluation, c'est de rapprocher un petit peu le nouveau modèle de l'ODD. Là, il y a deux questions. Également proposer à nos étudiants et à nos enseignants de recherche. Le premier, c'est qu'il y a une carence au terme de concepts qui ont été adoptés, désignés ou bien qui ont été choisis par le nouveau modèle. Il y a des indicateurs du nouveau modèle qui sont encore à redéfinir. Parce que, ou bien ce sont des indicateurs qu'on doit définir de référence au ODD, ou bien il faut avoir des concepts strictement actuels. Ça, c'est le premier. La deuxième, c'est quel que soit le point. Même si on dit que les ODD ont un horizon de 2030, il est le nouveau modèle de 2035. Il faut quand même qu'il y ait une sélection. Donc, il y a un besoin du nouveau modèle d'avoir des indicateurs objectifs pour l'année 2030. Il y a beaucoup de. Il y a peut-être, pourrais-je proposer, avec un moment de se retrouver avec Mathis Ali, même pour le monde, pour discuter un petit peu plus de ces éléments-là, mais il y a matière pour que le milieu universitaire s'intéresse davantage pour essayer d'apporter. Donc, les emplois verts comme réponse aux enjeux de développement durable cadre de la région Sousse-Massa. Un sujet qui intéresse, qui pose beaucoup de questions, peu de réponses. Mais on a eu avec la collaboration de la Banque mondiale, le PNUD, le Policy Center for the New South, le FORCI, l'Université de Lausanne, les représentants du ministère du monde, on va dire de l'entreprise, l'acteur politique et l'université marocaine, on a eu avec nos étudiants, qu'on remercie, on a posé les bonnes questions et on a donné, je l'espère, des très bonnes réponses et des réflexions qu'on va, inchallah, continuer par la suite au sein du master politique et analyse économique. Et pourquoi pas dans un autre temps, un autre espace, peut-être ici. De poser d'autres questions aussi pertinentes, aussi intéressantes. Donc, je vous remercie et on se retrouve, Inch'Allah, dans de bons autres événements aussi intéressants. Merci à vous.